وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. L'apprentissage de la science religieuse, c'est une des adorations qui est la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, pour la chose la plus grande qui est le tawhid, il dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah. Et le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un message qu'Allah tabaraka wa ta'ala a adressé à toute l'humanité. Et subhanallah, la majorité des musulmans, ils ne connaissent même pas ce que le Coran dit. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a raconté dedans les histoires des peuples passés. Non pas pour nous raconter de belles histoires, mais pour en tirer des leçons et pour voir comment tous les prophètes étaient sur une même voie à l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'appel du tawhid, du monothéisme pur. Et quel a été le sort des gens qui n'ont pas suivi les prophètes et les messagers. Et quels sont les fondements et les bases de la da'wah des prophètes, alayhim salatu wassalam. Et comment Allah tabaraka wa ta'ala, il a eu toute la toute puissance. Et comment la bonne fin est pour les croyants et la mauvaise fin est pour les mécréants. Aussi, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé des règles et de la législation liées à la croyance, liées à la pratique, liées aux interactions, aux relations avec les gens, liées à soi-même. Aussi, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé de ce qui va se passer dans le futur. Donc, il nous a informé du passé, il nous informe de comment on doit agir dans le présent en nous donnant des règles et des législations, et il nous informe de ce qui va se passer dans le futur, c'est-à-dire la mort, après la mort, le jour du jugement dernier, le paradis, l'enfer, les livres, le pont Sirat, etc., etc., la vision d'Allah, tout ceci, alhamdoulilah, est détaillé dans le Coran et détaillé dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, la connaissance du Coran, c'est quelque chose d'essentiel pour tout musulman. Si on sait que c'est le message qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a envoyé, dans lequel il y a des règles, il y a des prescriptions, il y a des promesses, il y a des mises en garde. Comment nous pouvons nous détourner du Coran? Et Allah tabaraka wa ta'ala cite dans le Coran que le prophète se plaint que son peuple a exilé le Coran de sa vie. Et exiler le Coran, cela peut prendre plusieurs formes. Premièrement, ne pas le lire, ne pas l'apprendre, ne pas le comprendre. Ne pas le mettre en pratique. Ne pas essayer de chercher à les solutions de nos vies dans le Coran. Ne pas essayer de se soigner avec le Coran. Tout ceci sont des formes d'exil du Coran, le Karim. L'apprentissage de la science, ça nécessite, barakallahu fikoum, une politesse. Premièrement, la politesse avec Allah. L'intention sincère. Celui qui entre dans la science, khabith al-nafs, avec un intérieur mauvais, cette science-là, elle peut être une cause de le perdre encore plus. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il cite les causes qui mènent une personne à l'orgueil. Il a dit, et c'est deux causes essentielles qui mènent à l'orgueil. Premièrement, c'est qu'il voit qu'il a une supériorité sur les autres dans le dunya, dans les choses matérielles, ou dans la force, ou dans la santé. Deuxième chose, c'est qu'il considère qu'il a une supériorité sur les autres dans le din, dans la science, ou dans l'adoration, ou dans les efforts pour la religion. Donc, les deux voies qui peuvent amener à l'orgueil,
c'est qu'ils se sentent supérieurs dans l'un ou l'autre, ou des fois, parfois dans les deux. Et une personne qui entre dans la science avec une mauvaise intention, cette science, elle peut lui rajouter que de l'égarement. Et ce sera un témoin contre lui le jour du jugement dernier. L'intention pour laquelle on apprend la science religieuse, c'est pour obéir à Allah avant tout, car Allah nous a ordonné « Fa'alam annahu la ilaha illallah ». Sache que le nul n'est digne d'être adoré sauf Allah. Sache, c'est-à-dire apprends. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, et il a dit que l'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. L'apprentissage des bases de la science, des bases de la religion, des choses dont on a besoin dans notre vie de tous les jours, dans notre croyance, dans notre pratique, les choses auxquelles on va avoir accès ou qu'on va faire, on a besoin de savoir le statut juridique de cette chose. Il n'est pas permis à un musulman ou une musulmane de faire un seul pas, un pas, sans savoir quel est l'ordre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette chose-là. Tu fais pas un pas en arrière ou en avant sans savoir qu'est-ce qui t'est demandé par Allah ou par le prophète alayhi wa sallam dans cette chose-là. Combien de pas on a fait? Combien de pas on a couru sans chercher à savoir quel était l'ordre et la loi d'Allah et la règle d'Allah et la règle du et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré en cela? Alors qu'il ne convient pas à un croyant et à une croyante de se devancer sur Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ne devancez pas Allah et son messager dans quoi que ce soit. Attends qu'Allah te donne l'ordre, la permission, le statut ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te l'a donné, puis tu t'avances. La connaissance avant la parole et les actes. Tu ne peux pas agir sans savoir. Ce n'est pas possible. Tu vas te faire plus de mal que de bien. L'ignorant se fait du mal à lui-même plus que son ennemi ne lui en fait. Donc, barakallahu fikum, l'apprentissage des bases essentielles de notre religion, c'est un devoir. C'est ça la manière d'adorer Allah avec clairvoyance. Celui, alhamdulillah, qui voit clair dans sa religion, le chemin, il est clairement, il est éclairé, il est rectiligne devant lui. Il n'a plus qu'à faire l'effort pour l'emprunter. Mais la personne qui voit trouble, il fait beaucoup d'efforts, il se fatigue, à la fin, il reste sur place ou il recule. Donc, réformons notre intention. Que cet apprentissage soit seulement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour mémoriser la religion d'Allah, la protéger, la préserver contre toute falsification, contre toute déviation, contre toute innovation, et de mettre en pratique la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on apprend la science, c'est pour ces intentions-là. La politesse, elle se manifeste aussi entre les frères, entre les sœurs, avec tes camarades qui sont avec toi, dans ta manière de t'asseoir, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de venir, dans ta manière de parler, dans la manière de poser les questions, dans la manière de se comporter, dans la manière d'être avec le professeur. Toutes ces choses-là, il y a une manière. Quand la manière n'est pas bien utilisée, on n'arrive pas à l'objectif. On peut être privé même du bien. Et les salafs, les pieux prédécesseurs, donnaient beaucoup d'importance à la politesse. Ils apprenaient la politesse bien avant d'apprendre la science. Quand l'imam Malik était jeune, était enfant, sa mère lui mettait une imama, un turban, elle l'embellissait de beaux vêtements pour aller apprendre la science, puis elle lui disait « Va chez Rabi'a », c'était un savant de l'Médine, Rabi'a al-Ray, « Apprends de sa politesse avant d'apprendre de sa science. » Soufiane al-Thawri, rahimahullah, Amir al-Mu'minin, fil hadith, il a dit qu'on apprenait la politesse pendant 20 ans avant de commencer à apprendre la science. Déjà, nous, on a un effort. Eux, ils partaient, mashallah, déjà d'une éducation. Nous, on part de moins 20 ou de moins 30. C'est-à-dire, Allahumma, illa man rahim Allah. Ceux que, alhamdulillah, ils ont une famille religieuse qui les ont éduqués. Allahumma barik. Mais nous, dans quelle ambiance avons-nous grandi? Et quel est notre environnement? Donc, on part de négatif, déjà. Il faut rattraper déjà ce négatif avant de penser au positif. Naam. Tayyib. Sans plus tarder, nous allons commencer, inshallah, la sourate Al-Alaq. Sourate Al-Alaq. On pourrait le traduire en français, l'alaq, par l'adhérence. Naam. C'est la première sourate qui a été révélée au prophète, alayhi salatu wassalam. Et on va voir, comme Aïcha, radiallahu anha, rapporte dans Sahih al-Bukhari, que la révélation débuta chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par des visions pieuses, par des rêves pieux, qu'il avait pendant son sommeil, et pas une seule de ces visions ne lui est apparue, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. C'était clair comme de l'eau de roche, on pourrait dire. Et ici, il est dit comme l'aurore. Et les rêves des prophètes, c'est une révélation. Ce n'est pas comme ton rêve, mon rêve, le rêve de quelqu'un d'autre.
Est-ce que toi, si tu vois en rêve que tu sacrifies, tu égorges ton fils, le matin tu te lèves, tu vas le mettre sur une pierre, tu l'égorges? Dites-moi, répondez. Bah, Ibrahim alayhi salam, il l'a fait. Je vois en rêve mon fils que je t'égorge. Et il s'est levé pour l'égorger. Car les rêves des prophètes sont une révélation. Ce n'est pas comme nos rêves à nous. Donc il faut différencier entre le rêve des communs des gens et le rêve des prophètes et des messagers. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, la révélation a commencé par des rêves pendant 6 mois. Puis, le prophète alayhi salatu wassalam aimait se retirer et adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la grotte de Hira. La grotte de Hira, c'est une grotte qui est sur une montagne à la Mecque, Jabal al-Nur, qui est très compliqué à atteindre, même maintenant. Il y a plein de gens, ils essaient de l'atteindre, ils tombent, ils meurent ou ils se cassent les jambes. Et d'ailleurs, ce n'est pas légiféré d'y aller. Ça ne fait pas partie des choses à faire pendant le Hajj ou la Umrah, de suivre les effets des prophètes ou les effets des compagnons ou des gens pieux. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a interdit cela. Il a dit, ne suivez pas les effets et les traces de vos prophètes, car les peuples avant vous, c'est comme ça qu'ils ont péri. En suivant leurs traces, ils ont exagéré et ils sont tombés dans l'innovation ou dans le shirk. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait at-tahannuth. At-tahannuth, c'est le fait de se libérer, de se dévouer à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il partait dans la grotte de Hira, avec des vivres. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah tabaraka ta'ala lui avait inspiré sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. N'oubliez pas, c'est le descendant de qui, Muhammad sallallahu alayhi salam? Le descendant de qui? De Ismaïl, fils de Ibrahim alayhi salam. Et c'était la religion d'Ibrahim et de Ismaïl qui était à la Mecque. Puis, l'altération et les innovations sont venues. Et ils ont adoré les statues. Et c'est pour ça que les Mécois, ils ont gardé certains points qui ressemblent à la religion. Le tawaf, le hajj, etc. Ils avaient certains points, oui. Ils connaissaient, car ils ont gardé ça de la religion de qui? De Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, adorait Allah sur la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Puis, pendant qu'il faisait ses adorations, il descendait de temps à autre chez Khadija pour prendre des provisions et il repartait dans la grotte de Hira. Un jour, alors qu'il était ainsi, l'ange est venu le voir. C'est qui l'ange? Jibril, alayhi salatu wassalam. Comment on sait que c'est Jibril? Chaque ange a un rôle bien précis ou des rôles bien précis. L'ange qui est dédié et qui est désigné par Allah subhanahu wa ta'ala pour la révélation, c'est Jibril, alayhi salatu wassalam. C'est l'ange qui est l'ange de la révélation, Ruh al-Amin. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne suis point de ceux qui lisent. Quand il a dit ça, l'ange il l'a saisi, il me saisit aussitôt, raconta le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me pressa au point de me faire perdre toutes mes forces et me répéta ce mot, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne suis point de ceux qui lisent. Pour la troisième fois, l'ange me saisit, me pressa au point de m'enlever toute force, puis me lâcha en disant, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, celui qui a créé l'homme de sang coagulé, etc. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne suis point de ceux qui lisent, ce n'est pas par désobéissance, ce n'est pas lis, ah non, je ne veux pas lire. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire et écrire. Il était ummi, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, al-Nabi al-Ummi. Le prophète illettré, c'est lui Allah Ta'ala qui a envoyé chez les illettrés un messager parmi eux. Attention, je veux préciser un point. Illettré aujourd'hui, ça peut être vu comme une insulte, comme un manquement. Chez les Arabes, illettré, ça n'est pas un manquement. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Les Arabes se vantaient d'une mémoire très forte. Pour eux, écrire quelque chose, cela veut dire que tu as une mémoire faible. Donc, tu es faible. Pour eux, si tu n'es pas capable de mémoriser, c'est que tu n'es pas un vrai homme. Tu n'es pas quelqu'un qui a une valeur. Celui qui a de la valeur, il mémorise. Il n'a pas besoin d'écrire. Donc, comme ils avaient cette valeur de la mémorisation, ils ne donnaient pas d'importance à l'écriture et à la lecture. D'où, pourquoi la lecture et l'écriture, ils n'étaient pas répandus chez eux. Ils mémorisaient tout par cœur. Ils mémorisaient les poèmes par cœur, les histoires des tribus par cœur, les lignées par cœur, tout par cœur. D'où, pourquoi
ils étaient illettrés. Non pas par manquement, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils mémorisaient tout par cœur. Donc ils n'avaient pas besoin de prendre de notes. Voilà, il faut comprendre un peu la situation pour comprendre pourquoi on dit les illettrés. Illettrés aussi dans le sens parce qu'aucun livre ne leur a été révélé. Non pas comme, par exemple, les Al-Kitab, les gens du livre. Ils ont eu un livre. Alors que l'Arabe, ils n'ont pas eu de livre. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi, quand on dit le prophète illettré, ce n'est pas un manque. Au contraire, c'était une valeur chez eux de mémoriser. Après, il y avait certains parmi les Arabes qui avaient eux-mêmes fait l'effort d'être lettrés pour d'autres raisons. Parce qu'ils cherchaient la religion, qu'ils voulaient lire dans les livres en hébreu, dans les livres dans d'autres langues, en syriaque, en araméen. Donc ils se sont lettrés pour un objectif de la recherche de la vérité. Ou parce qu'ils voyageaient, c'était des commerçants. Donc ils se sont lettrés pour ça. Mais ils étaient peu les gens qui savaient lire et écrire. Aussi, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit illettré, c'est un miracle. Car comment un illettré peut inventer un Coran? C'est pour montrer encore plus que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour tranquilliser encore plus ceux qui pourraient avoir des doutes. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, auparavant tu ne lisais pas le Coran et tu ne l'écrivais pas avec ta droite. Sinon, des gens qui ne croient pas, qui traitent de mensonges et de faux, ils auraient eu des doutes. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a choisi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit illettré pour montrer encore plus le miracle du Coran. Donc quand il a dit je ne sais pas lire, mais quand il lui a dit Iqra, lis au nom de ton Seigneur, là il lui a dit de lire en prenant aide et appui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, par tous les noms bénis et purs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Donc là il a compris que c'était un ordre, il a lu, il n'a pas lu un papier, il a lu la révélation, ce qu'Allah ta'ala lui a révélé sallallahu alayhi wa sallam. Donc une fois que Allah tabaraka ta'ala lui a révélé ces versets, il est reparti en possession de ces versets dans son cœur, le cœur tout palpitant, et il est rentré chez Khadija bint Khuwaylid, radiallahu anha, son épouse Khadija. Et il s'écria, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Aïcha rapporte l'histoire, elle dit, on s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Donc elle n'était pas là, elle raconte ce qu'on lui a transmis, radiallahu anha. Alors s'adressant à Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a mis au courant de ce qui s'était passé. Puis il ajouta, ah, j'ai cru que j'en mourrais. Et Khadija radiallahu anha lui a dit non. Par Allah, certes, jamais Allah tabaraka wa ta'ala ne t'affligera d'affront. Il ne te rabaissera pas. Car tu es uni avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu héberges les autres et tu secours les victimes des injustices et de ceux qui sont opprimés dans leurs droits. Puis elle l'a emmené chez son cousin, Waraqatu ibn Nawfil. Donc voilà comment la révélation a commencé. Et quelle est la cause de la révélation de cette surah, qui est surah Al-Alaq. Donc surah Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, on a déjà expliqué auparavant que Bismillahirrahmanirrahim, Al-Basmala, c'est un verset parmi les versets du Coran. Mais est-ce que c'est un verset qui fait partie de Sourate Al-Alaq? Est-ce que c'est un verset qui fait partie des sourates quand il est précité avant, comme Sourate Al-Fatiha? Ou non? Le sahih, c'est que c'est un verset mustaqil, un verset à part. Il ne fait pas partie de Sourate Al-Fatiha, ni de l'Alaq, ni des sourates citées. Il fait partie du Coran, mais ce n'est pas un verset des sourates qui viennent après. Wadih? Après, les savants ont divergé pour le Fatiha. Certains ont dit qu'il faisait partie de l'Fatiha, d'autres ont dit que non, d'autres ont dit que ça dépend de la qira'a, ça dépend de la lecture avec laquelle on lit. Si on lit par exemple en Warsh, vous verrez que dans les sourates, ouvrez n'importe quel mushaf Warsh, il n'y a pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi? Ils l'ont appris comme ça, mutawatiran, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et dans les mushaf Hafs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ça, il n'y a pas de mal, ce n'est pas une contradiction, il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de changement de sens, ni de contradiction, ni rien. Naam. Ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. C'est-à-dire, on prend appui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par tous ses noms sublimes. Et on commence par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, tout miséricordieux. On a expliqué ça dans plusieurs cours, on ne va pas y revenir. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc, Iqra, c'est un ordre. Allah tabaraka wa ta'ala
ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. De lire au nom de qui? Au nom de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ici il n'a pas dit Iqra bismillah? Iqra bismi rabbik. Bismi rabbik, au nom de ton Seigneur. Car Rabb, c'est al-murabbi. Le Seigneur, c'est l'éducateur. Et ici, c'est pour lui rappeler comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a préparé à la révélation. Il lui a donné une tarbiyah, une éducation spécifique. Dans sa jeunesse, avec tous les miracles qu'il a eus. Quand sa poitrine a été ouverte. Comment Allah l'a préservé, comment Allah l'a élevé, comment Allah l'a éduqué, comment Allah l'a préservé de tout mal, de toute déviance. Comment les rêves qu'il a vus pendant 6 mois, tout ça pour préparer. Donc ici, le maqam, la situation, elle était plus appropriée d'énoncer Rabb, le Seigneur, l'éducateur. Parce que parmi les sens de Seigneur, c'est l'éducateur, celui qui éduque. Elle l'a dit, Udabbirul Umur, celui qui, subhanahu wa ta'ala, est un sarrafu fil kawni kayfa yasha. Celui qui régit les affaires. Et comme Allah Ta'ala a régi, c'est pour lui rappeler. Comme Allah Tabaraka Ta'ala, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Comme Allah a créé l'homme d'une adhérence et qu'il a été capable de le créer et de l'éduquer et de l'élever et de le faire grandir, c'est lui aussi, Allah Tabaraka wa Ta'ala, ton Seigneur, ton éducateur, qui t'a envoyé le message et la révélation. Donc, ici, la situation était propice à citer Rabb, le Seigneur. Lis au nom de ton Seigneur, de ton éducateur, de celui qui régit tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un rappel que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une tarbiyah khas, une éducation spécifique de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala s'est occupé de lui, comme Allah s'occupe de toutes ses créatures, mais s'est occupé de lui spécifiquement, pour une éducation spécifique, comme tous ses messagers et tous ses prophètes. Alayhim salatu wassalam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Donc, au début, Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité, donc, bismi rabbika alladhi khalaq, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il n'a pas cité quoi? La création en général. Puis il a spécifié l'insan. Il a spécifié l'être humain. خلق الإنسان من علق. Il a créé l'être humain de quoi? D'une adhérence. On retrouve dans le Coran plusieurs origines de l'être humain. Allah Ta'ala dit qu'il l'a créé d'une adhérence, d'une eau ou d'un liquide insignifiant, d'une pâte mâchée. Est-ce que cela se contredit? Non. Car en fait, l'être humain passe par plusieurs étapes. Comme il est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, l'être humain il est créé d'une goutte, nutfa, d'une eau ou d'un liquide insignifiant. Puis il sera un caillot de sang ou une adhérence, un caillot de sang plutôt. Donc il passe comme ça des étapes de 40 jours, 40 jours, tous les 40 jours il change d'étape. Jusqu'à ce qu'il arrive à combien de jours? 120 jours. Et 120 jours ça fait combien de mois? 4 mois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Allah Ta'ala lui envoie l'ange qui vient lui insuffler l'âme. Donc, toutes ces étapes par lesquelles l'être humain passe, auparavant, il n'est pas encore un être humain. C'est des étapes par lesquelles il passe avant que l'âme, elle lui soit insufflée. D'ailleurs, c'est pour ça que si une personne perd son enfant avant 4 mois, alors cet enfant-là, on n'a pas besoin ni de le laver, ni le lavage mortuaire, ni de le nommer, ni de faire la prière de l'janaza, la prière mortuaire sur lui. Et il sera enterré n'importe où. Alors que si c'est après les 4 mois, on devra obligatoirement lui faire le lavage rituel, lui faire une prière de l'janaza, mortuaire, lui faire un kafan, le mettre dans un linceul, lui donner un nom, prier sur lui, on lui fait même l'aqir. C'est pour ça aussi qu'il y a ijma' entre les ulama, il y a ce consensus entre les savants, qu'après le 4e mois, il est formellement interdit à une femme d'avorter. Sauf si elle craint pour sa vie, à elle. Car la vie existante avec certitude, elle est prioritaire à une vie qui pourrait apparaître mais qui n'est pas encore là. Donc si on a le choix entre garder l'enfant ou garder la mère, on garde la mère après 4 mois. C'est le seul cas où c'est permis. Avant 4 mois, c'est aussi interdit. Mais c'est plus allégé. Pour d'autres raisons,
Il peut être permis, certains savants peuvent permettre pour d'autres raisons d'avorter. Surtout quand c'est dans le tout début. Si par exemple, qu'Allah préserve une femme, elle se fait violer. Et dès le début, elle sait qu'elle est enceinte, elle avorte dès le début. Par exemple, au 20e jour de sa grossesse, au 15e jour. C'est les ulama sur ça, ils disent qu'il n'y a pas de mal quand c'est avant les 40 premiers jours. Mais plus l'enfant prend forme, plus la gravité et l'interdiction est grande. Après 4 mois, c'est clair. Ça y est, il y a une vie, il a une âme en lui. Quand Allah tabaraka ta'ala envoie l'ange pour insuffler l'âme dans cet être, nous connaissons comment Allah a créé l'homme. Allah, il le désigne ici. Les étapes par lesquelles l'être humain passe, de quelle matière? Sa base, c'est de l'eau, puis de la terre. Il a créé Adam de terre ou de boue. Ça, c'est son corps, n'est-ce pas? Et on sait la finalité du corps aussi, comment elle est maintenant, c'est-à-dire son passage, après qu'il soit de terre et son origine, l'eau, etc. Après, c'est de la viande, de la chair, des os, etc. Puis, après, il va être poussière. Il revient à la terre, comme il a été. Mais l'âme, est-ce qu'une seule personne connaît la nature de l'âme? Personne. Allah Ta'ala dit, il te demande à propos de l'âme, dis, l'âme vient d'un ordre de mon Seigneur, mais il ne vous a été donné de la science que très peu. Donc l'âme, personne ne peut dire son essence, sa réalité c'est quoi, on ne peut pas la définir et dire de quelle matière elle est faite, ni si c'est une matière ou pas une matière, on peut juste dire que c'est un ordre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah il a dit soit, elle a été. Non. Donc, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقَ اِقْرَأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Quand Allah Ta'ala dit lis car ton Seigneur est le très noble. Il n'a pas dit Karim, bal il akram. Hein, c'est-à-dire c'est le plus noble, subhanahu wa ta'ala. Le très très noble. Al-akram, c'est-à-dire c'est lui qui a les plus belles qualités, les plus beaux attributs, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a toutes les qualités de la perfection, de la magnificence, de la perfection, subhanahu wa ta'ala, de hauteur, subhanahu wa ta'ala. Et, wa rabbuka al-akram, ça peut venir aussi bima'na al-karam, la générosité. Ay al-ajwad, li, car c'est ton Seigneur qui est le plus généreux. Al-karim, en arabe, ça peut vouloir dire la personne honorable, comme al-karim, ça peut vouloir dire la personne généreuse. De toute façon, quelqu'un de généreux, il ne peut être que honorable, n'est-ce pas? Donc, dans honorable, le sens de généreux y est. C'est lui, le plus généreux, subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a fait don aujourd'hui du plus grand des dons, qui est le message et la révélation. Le message de l'islam est quoi? Et la révélation. Quel meilleur don que ça? La guider. Quel meilleur don pour nous aujourd'hui que d'avoir le message de l'islam? Est-ce que ça, ce n'est pas une preuve de la générosité d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Non, bila shak. Parmi ces générosités, c'est qu'il a enseigné, qui a enseigné à l'être humain par la plume, par le qalam. Naam. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il a sorti l'être humain du ventre de sa mère, il ne connaissait rien. Comme Allah ta'ala dit dans le Coran al-Karim, il vous a sorti du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien. Donc à la base, l'être humain, il est quoi? Ignorant. Qui lui a enseigné? Allah tabaraka wa ta'ala. Comment? Bil qalam. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a honoré. Allah lui a donné l'ouïe, la vue, le cœur, la raison. D'ailleurs, la raison, elle est où la raison? Elle est dans le cœur. Elle n'est pas dans la tête, comme ils disent les falasifa. Nous, les musulmans, on dit la raison, elle est dans le cœur. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit, ils ont des cœurs, mais ils n'y réfléchissent pas avec leur cœur. Donc, c'est les cœurs. Ce n'est pas la tête, comme ils disent ici physiquement. Hein? Le cerveau, il peut avoir d'autres fonctions, avoir un lien avec le cœur, mais celui qui raisonne, et qui sait le vrai ou le faux, et qui prend les décisions, c'est l'aql, c'est le cœur. Ce n'est pas le cerveau. Donc, il est sorti du ventre de sa mère, et Allah, il l'a honoré, subhanahu wa ta'ala, cet être humain, et il a été généreux envers lui, en lui donnant l'ouïe, en lui donnant la vue, en lui donnant un cœur avec lequel réfléchir, et il lui a facilité tous les moyens d'acquérir la connaissance et la science. Il lui a enseigné le Coran, qui est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il lui a enseigné la sagesse. Il l'a enseigné par la plume, par le qalam, avec laquelle on peut préserver et mémoriser et protéger les connaissances. Et avec laquelle, la plume, on peut préserver les droits aussi. C'est-à-dire quand on fait un contrat. Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas dit aux gens, quand vous prenez,
vous faites un contrat d'emprunt entre vous, écrivez-le. Donc avec la plume, on peut aussi préserver les droits, préserver les contrats. Avec la plume, on peut envoyer des messages aux gens. Ce message qu'on envoie aux gens, ça remplace le fait de se déplacer pour aller les voir. Donc regardez, subhanallah, comment Allah Ta'ala, avec la plume, il nous a facilité combien de choses. Donc on remercie Allah Tabaraka Ta'ala, on le loue, subhanahu wa ta'ala, de ce bienfait. Hein? L'être humain, justement, il doit être reconnaissant. Car Allah Tabaraka Ta'ala lui a enseigné tout cela. Il n'aurait pas pu sans la volonté d'Allah, sans la permission d'Allah, sans qu'Allah ne lui donne la vue, l'ouïe, sans qu'Allah ne lui enseigne l'écriture, la plume, sans qu'Allah ne lui enseigne comment atteindre ces connaissances-là. Comment l'être humain il aurait vécu sur cette terre? Alhamdulillah, Allah Ta'ala lui a donné les facilités d'apprendre, de comprendre, de méditer, de tirer des règles, de faire des technologies. Tout ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, on ne pourra jamais être assez reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala de tous les bienfaits qu'il nous a donnés et de ce bienfait qui est le bienfait de la connaissance et de la science. Et la plus grande des connaissances et des sciences, c'est connaître Allah, connaître ses lois, connaître ses règles, connaître son messager, alayhi salatu wa salam, connaître ce qu'on fait sur cette terre, connaître comment plaire à Allah, connaître comment accéder à la félicité éternelle dans l'au-delà et à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus que Allah Ta'ala nous a ouvert les portes et il a été généreux envers nous en nous donnant accès à la science, il nous a facilité aussi en nous élargissant notre subsistance et en nous élargissant nos besoins. Malgré que l'être humain, qu'il est très opprimeur et ignorant, malgré ça, Allah Ta'ala, par sa miséricorde, il lui donne quand même. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, si Allah Ta'ala reprenait les gens bima kasabu en récompense de ce qu'ils ont acquis de leurs propres mains, ils n'auraient laissé rien sur cette terre. Aucun être qui rampe ou qui marche. Mais Allah Tabaraka Ta'ala nous a laissé, il nous tend la corde et il nous laisse jusqu'à une période bien déterminée pour récompenser les véridiques grâce à leur véracité et ceux qui traitent de mensonges par rapport à ceux qu'ils méritent. Non. La chose d'ailleurs la plus importante qu'Allah nous a enseignée, on l'a dit, c'est l'islam. Le chemin de la guidée. Si Allah Ta'ala ne nous avait pas révélé le Coran, ne nous avait pas envoyé de messager, ne nous avait pas laissé des textes clairs, un chemin droit dont la nuit et le jour s'en distinguent clairement, comment on aurait pu être bien guidé? Malgré tout ça, il y a encore des sectes, des mécréants avant tout, et après d'autres dans l'islam qui ont fait des sectes, qui ont laissé le chemin droit et clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous sans tous ces textes et sans la guidée, et sans la science et sans la connaissance. Comment on aurait fait? هذا فضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله فنحمده سبحانه وتعالى on le remercie Allah lui seul سبحانه وتعالى de nous avoir guidés et on lui demande de nous raffermir dans le chemin de la guidée et c'est ça qu'on demande 17 fois par jour minimum اهدنا الصراط المستقيم guide-nous au chemin droit c'est-à-dire à l'islam et une fois qu'on est dans l'islam guide-nous dans l'islam pour qu'on soit guidé quand on est dans l'islam dans le bon chemin et qu'on continue on soit raffermi donc Allah Ta'ala a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Puis Allah Ta'ala a dit « Kalla inna l'insana layatara arra'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a » Kalla, ça peut venir dans plusieurs sens dans le Coran. Ici, c'est plutôt comme une mise en garde. Prenez garde. Attention. Attention, vraiment, l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse, à cause de sa force, à cause de quoi que ce soit. Donc quand l'être humain, il sent qu'il a ce qu'il faut, il se suffit, il se rebelle. Il dépasse la limite. Yatara, ça vient de Tourian. Tourian, en arabe, ça veut dire de dépasser la limite d'une chose. De dépasser les limites des interdits. Quand l'être humain, il est riche, il sent qu'il est suffisant, qu'il est à l'abri de la pauvreté. Donc il transgresse. Quand il est en bonne santé, il sent qu'il est à l'abri de la maladie. Donc avec cette santé-là, il transgresse. Quand il a de la connaissance, il pense qu'il est à l'abri de l'ignorance. Donc il transgresse. À chaque fois que l'être humain se sent suffisant dans une richesse, que ce soit matérielle ou morale qu'il possède, il transgresse. C'est pour ça que l'être humain il doit toujours se sentir pauvre. Ya Abdallah, serviteur d'Allah, ta connaissance c'est quoi par rapport à la connaissance réelle? Tout ce que tu peux apprendre, les plus grands ulama que cette terre elle est portée, leur connaissance, elle est rien par rapport à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors toi, moi, comparons-nous juste à des gens vivants. On ne se compare même pas aux salafs. Notre connaissance, c'est quoi? Alors si on compare notre connaissance aux savants, aux grands savants de l'islam que la terre a porté, vous imaginez que des savants comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ou d'autres, ils écrivaient des livres de tête comme ça, de mémoire, en voyage. Certains ont écrit des livres que aujourd'hui, si un savant il voudrait écrire un livre comme ça, il lui faudrait des dizaines d'autres livres et des mois, il faudrait qu'il revienne à chacun, qu'il vérifie. En voyage, il y en a, il a écrit. Imaginez-vous le voyage, c'est pas comme maintenant dans l'avion. En voyage, sous la chaleur, sur les chameaux, la fatigue, il écrit des livres. Il y en a, ils ont écrit des livres en prison. À l'époque où une page, c'est pas les pages d'aujourd'hui, là, tu vas acheter des paquets de 500 feuilles, hein. Le papier coûtait très cher, l'encre coûtait cher, elle était difficile d'accès, ce n'était pas facile. Là, rien que des histoires qu'on entend là dans le début du siècle. Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, c'est un savant marocain, rahimahullah, qui a beaucoup voyagé, qui raconte comment son voyage dans la da'wah, dans l'enseignement, dans l'apprentissage de la science. Il a été en Inde apprendre le hadith. Dans le cours où il était assis, il a considéré, il a vu que le professeur avait fait une faute dans la langue arabe, dans l'explication de Alfiyat ibn Malik. Il a dit qu'il y avait une faute, ils se sont tous moqués de lui. Ils ont dit, oh toi petit Marocain, qu'est-ce que tu connais? Ici t'es devant des chouïrs du hadith, depuis je ne sais combien de temps ils enseignent, et nous tous on est là, tu viens de ton Maroc, qu'est-ce que tu nous racontes? Et lui, ça, il n'arrivait pas à cette règle-là, il dit c'est sûr, il y a une faute. Pour lui, c'était pas logique, c'était contradictoire à tout ce qu'il connaissait du Nahou. Il a voyagé des centaines de kilomètres pour aller chercher un exemplaire de Alfiyat ibn Malik, un charh de l'Alfiyat. Arrivé à l'endroit où il était vendu, un jour avant, quelqu'un l'avait déjà acheté. Il a demandé son adresse, il a refait des centaines de kilomètres pour aller verser chez cette personne et il lui a demandé de lui emprunter. Il lui a emprunté et il est revenu avec. Et en fait, c'était dans l'exemplaire qui était auprès des professeurs là-bas depuis des années dans cette école où il y avait une faute dedans. Et comme cette faute, elle était restée depuis des années, elle s'était enseignée comme ça, il n'avait pas, on va dire, prêté attention à cette faute. Il l'enseignait comme ça. C'est-à-dire, parfois, on connaît la règle, mais il suffit de ne pas être éveillé, on passe comme ça, on la répète sans faire attention, on fait une faute. Ça arrive. Donc, il est venu chez eux, il leur a montré et ils ont reconnu qu'ils avaient tort. Hein, ils ont connu sa valeur. Ça, c'est pour montrer ça, c'est en 1930, 1940. Regardez, pour avoir un livre en 1940, c'était comment? Et alors, imaginez-vous, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y avait des gens, leur travail, c'était recopier des livres, à la main. Il n'y avait pas de photocopieuse avant. Avant, les livres, ils étaient répandus comment? Il y avait des recopieurs. Des gens, ils étaient assis, recopiaient les livres des ulama. L'imam al-Albani, rahimahullah, la première fois où il s'est intéressé au hadith, il était réparateur de montres. Il a lu un magazine islamique qui était distribué en Syrie à l'époque ou qui était vendu en Syrie. Et il a lu qu'il y avait un al-Hafidh al-Iraqi, c'est un muhaddith, il a fait une vérification de livre d'Abu Hamid al-Ghazali, Ihya ul-Muddin. Il y a beaucoup d'hadiths inventés et faux dedans. Donc il a fait une vérification. Et lui, il connaissait pas cette science, Cheikh al-Albani. Lui, il avait appris avec son père le Coran, le madhab Hanafi, quelques bases de la religion, comme les Albanais à l'époque, ils apprenaient. Son père d'Albanie, ils ont fait l'égir parce que c'était le communisme qui s'est installé, ils se sont sauvés en Syrie. Al-Muhim, jamais de sa vie, il avait entendu parler de la science du hadith, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il a lu ça, ça lui a plu, il a dit, ah bon, il y a des gens qui vérifient les hadiths et qui donnent des commentaires dessus. Il a été pour acheter le livre, il n'avait pas d'argent pour acheter le livre. Takhrij al-Ihya. Il l'a emprunté, il l'a recopié en entier à la main. Chaque mot qu'il ne comprenait pas dessus, il a été cherché dans les livres de hadith et il a fait des ta'liqat, il a fait des annotations. Première fois qu'il s'est intéressé au hadith, il a écrit un livre sur le hadith. Il a écrit un livre sur la science du hadith, la première fois qu'il s'est intéressé au hadith. Regardez pour atteindre un livre comment il a fait. Je ne vous raconte pas combien de temps il a mis pour trouver une nusra pour la copier. Il a cherché, lui ont dirigé vers des gens. À la fin, il a trouvé un exemplaire et il l'a recopié en entier à la main. Parce qu'il devait le rendre à la personne. Donc maintenant, subhanallah, regardez comment on a la facilité. Comment Allah Ta'ala nous a facilité tout. Et malgré ça, wallahi, la science aujourd'hui, elle est moindre par rapport à avant. L'accès à la science, il est facilité. Mais l'effort
et l'envie et la motivation et des gens sincères pour apprendre la science, il y en a peu. Donc, l'être humain, il transgresse, il est rebelle quand il pense qu'il est suffisant. Cette suffisance, elle peut être dans la science, cette suffisance, elle peut être dans l'argent, cette suffisance, elle peut être dans la santé, cette suffisance, elle peut être dans toute chose. Dès qu'une personne, il se sent suffisant, bah, c'est bon, je suis en sécurité. Comme certains maintenant mettent de l'argent. Ah, moi, je mets de l'argent pour être en sécurité. Je vous ai laissé ce qu'il faut pour être en sécurité. Vous n'entendez pas cette parole? Hein? Sécurité de quoi? Cet argent-là, il va te sécuriser de quoi? Wallah el-Azim, des milliards de dollars, tu peux les perdre en une seconde. Pas quelqu'un, il a gardé 100 000 euros, il croit qu'il est riche. Tu peux les perdre comme ça. Et de toute façon, même si tu les as, ça ne peut pas te préserver ni de la maladie, ni du malheur, ni de la perte, ni de la mort, ni des soucis, ni de rien. Alors l'être humain, il ne doit jamais, jamais se sentir en suffisance. Car c'est ça la cause. Allah Ta'ala ici, il cite la cause de pourquoi l'être humain, il est rebelle. Quand est-ce que l'être humain, il transgresse? Quand il se sent suffisant. Ici, je prends le côté plutôt dans la connaissance. Pourquoi? Parce que le côté de l'argent, le côté des choses matérielles, tout musulman, il le sait que ça ne va pas le protéger. Mais des gens, malheureusement, ils se sentent suffisants dès qu'ils ont appris 3, 4, 5 choses. Ils ont fait un peu d'efforts dans la religion. Ils ont un peu appris des bases ou même un peu plus. Ça y est, il croit qu'il se prend pour cheikh l'islam. Il a un avis sur tous les points de la religion. Il fait des fatwas sur tous les points de la religion. Il contredit des savants. On a même trouvé des gens de France, ils disent « Je vais faire un rad à tel cheikh et tel cheikh. Je vais faire une réponse à tel savant et tel savant. » Mais en fait, je ne sais plus dans quelle planète ils vivent. Est-ce qu'ils vivent sur Terre ou ils sont passés dans une autre planète, dans une autre dimension, Allah al-Musta'an? Alors que, Wallah al-Azim, c'est des gens, ils n'ont même pas étudié un an ou deux ans ou trois ans. Et ils n'ont aucun bagage à part la science de la polémique et de la rhétorique. C'est tout. C'est des beaux parleurs. Et ils ont appris tout ce qui peut enjoliver ces belles paroles autour. Un ignorant devant lui, il est abasourdi. Oh là là, il me sort des règles que je ne comprends rien. Il m'a sorti 4-5 règles. Ah oui, il connaît trop lui. Pourquoi? Parce qu'il a sorti des choses pour t'épater. Wallah, et ceux qui ont fréquenté les savants, ils savent qu'ils ne sont pas comme ça. Assieds-toi auprès des savants. Ils te parlent simplement. On n'a jamais vu des khutbas, des prêches du vendredi plus simples que celles des ulama. Il se lève, il parle comme s'il parlait à son copain tout à l'heure. Oh, vous les musulmans, craignez Allah, arrêtez de transgresser. Ils disent 3-4 versets, 4-5 hadiths, ils descendent. Simple. Ils ne cherchent à épater personne, ni même à faire des discours étonnants, épatants. Non, ils sont venus pour transmettre un message et repartir. Ceux qui ont fréquenté les savants, ceux qui vont s'asseoir chez eux, ils ont remarqué ça. Et ça, c'est la caractéristique des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, c'est ceux qui faisaient le moins de manières. Ce ne sont pas des gens maniérés qui veulent montrer une image. Ils étaient simples. Comme ils sont dans leur vie, ils sont devant toi. Et c'est comme ça que le musulman doit être. Il doit être sincère. Et ça, c'est un résultat de la sincérité. Car la sincérité, qui est le contraire de l'hypocrisie, c'est que ton intérieur et ton extérieur, ils sont en concordance. Que ton état devant les gens et ton état quand tu es caché, c'est le même. Et c'est ça une personne sincère. Allah tabaraka ta'ala l'ikhlas. Tayyib. Pourquoi on a parlé de ça? Car l'être humain, quand il se sent suffisant, il transgresse, il dépasse ses limites. Certes, c'est à ton Seigneur qu'est le retour. Donc un rappel. Oh toi être humain, tu te sens suffisant, tu te sens fort, mais ton retour, tu vas revenir vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette force, tout ce que tu possèdes, tu vas le laisser et tu seras faible, nu, non circoncis, devant Allah tabaraka ta'ala, avec l'humanité entière, et chacun va dire nefsi, nefsi. Ici, le sens de « certes, c'est vers ton Seigneur que sera le retour », cela peut prendre plusieurs sens. « Ruj'a », c'est le retour ultime, c'est-à-dire « yom al-qiyam », mais aussi dans le sens « ruj'a », c'est-à-dire que tout ordre, toute affaire revient à Allah. C'est-à-dire que dans les décisions, tu reviens à Allah ta'ala. Le musulman, il ne fait rien sans qu'il y ait en cela d'abord un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens-là aussi que toutes les affaires doivent être retournées à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, si vous disputez dans une affaire, ramenez-la, retournez-la à Allah et à son messager. Dans ce sens-là aussi. Inna ila rabbika ruj'a. Le retour dans toutes les affaires. Le retour dans les décisions. Le retour
dans l'appui et dans l'aide en qui on doit le prendre, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le retour ultime, yom al-qiyama, il sera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Puis Allah tabarak wa ta'ala dit: as-tu vu, pour attirer l'attention sur le cas de cette personne, as-tu vu celui qui interdit un serviteur d'Allah de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? De qui il parle ici? Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, il parle de Abu Jahl. Abu Jahl, il était surnommé Abu al-Hakam auparavant. Abu al-Hakam, c'est dans le sens celui qui a la sagesse ou la décision. Pourquoi? Parce qu'il revenait tous à lui pour se faire juger dans leurs affaires. Il considérait qu'il avait de la hikma, de la sagesse, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé du contraire de cela. Car en vérité, sa sagesse n'est pas une sagesse car elle ne l'a pas guidé vers la foi. Donc il l'a appelé Abu Jahl, le père de l'ignorance et de l'oppression. Le Jahl, ça peut vouloir dire l'ignorance ou l'oppression. De toute façon, c'est les deux. C'est un opprimeur ignorant. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah tabarak wa ta'ala autour de la Kaaba. Et on a rapporté cela à Abu Jahl. Abu Jahl a dit: wallah, je vais aller, je vais lui écraser le cou. Pendant qu'il fait salat, je vais aller, je vais lui écraser le cou. Et ils lui ont répété cela plusieurs fois. Et un jour, il s'est décidé à aller pour lui écraser le cou. Quand il est arrivé pour s'approcher de lui, il a vu entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un fossé de feu. Et il est reparti. Il s'est détourné. Donc Allah tabarak wa ta'ala dit: regarde comment est étonnant le cas de celui qui interdit 'abadan idha salla, un serviteur qui est en train de célébrer la salat. De qui il parle ici? Un serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ara'ayta ayyuha an-nahi, toi qui veux l'interdire de faire salat, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sur une bonne voie? Il n'est pas sur la guidée? Aw amara bit-taqwa, aw ici c'est bima'na wa, c'est dans le sens « et ». Ne vois-tu pas qu'il est sur une bonne guidée? Sur une bonne voie? Ne vois-tu pas qu'il ordonne la piété? Pourquoi, en gros, pourquoi tu veux lui interdire de célébrer la salat pour Allah alors qu'il est en train d'appeler à une bonne guidée et qu'il est sur la piété? Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Ne vois-tu pas quand il traite de mensonge et qu'il se détourne? Là, il parle de qui? De Abu Jahl. C'est-à-dire, regardez comment Abu Jahl, qu'est-ce qu'il a fait? Hadan Nahi, celui qui empêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui interdit de prier. Kadhaba, c'est-à-dire il traite de mensonge, il traite de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Watawalla, il s'est détourné, il a tourné le dos à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'ordre de la foi en Allah tabarak wa ta'ala. Et là, c'est une façon de l'interpeller. Ne crains-tu pas Allah de te détourner? Ne crains-tu pas son châtiment? Et là, Allah tabarak wa ta'ala lui rappelle: alam ya'lam bi anna Allah yara, ne sait-il pas que Allah voit tout ce qu'il fait, voit tous ses actes, que c'est à lui qu'il va revenir. S'il reste dans cet état-là, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir le droit au châtiment. Donc, alam ya'lam bi anna Allah yara, kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya. Puis, Allah tabarak wa ta'ala, après l'avoir repris, maintenant il le met en garde. Il met en garde toute personne qui voudrait suivre son chemin et agir comme lui. Et il lui dit, donc, ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Donc ici, le toupet c'est quoi? C'est le devant de la tête. Quand Allah tabarak wa ta'ala dit, s'il continue à traiter de mensonges et à combattre l'islam et à tourner le dos, alors Allah Ta'ala va le saisir par le toupet. Les savants ont donné plusieurs explications à cela, de saisir par le toupet. Premièrement, le jour de la bataille de Badr, il a été saisi par le toupet quand ils ont été vaincus et quand il a été tué. L'autre sens, c'est la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala dans Sourate Ar-Rahman. Les criminels, le jour du jugement dernier, ils vont être reconnus par leurs traits, par leurs caractéristiques. Ils seront donc saisis par leur toupet, le devant de la tête, ou al-aqdam, par leurs pieds. Donc, les savants disent que si un mot ou un verset peut comporter plusieurs interprétations et qu'elles ne se contredisent pas, alors il est obligatoire dans ce cas-là de l'interpréter de toutes ces manières ensemble. Donc il a été saisi par le toupet pour Badr et il sera saisi par le toupet aussi au Qiyam pour être jeté en enfer par les anges gardiens dont Allah tabarak wa ta'ala a dit en parlant de ces anges-là, sont des anges
Thriller, fort, brusque, brut dans leur création, dans leur constitution. Shiddad, dur. Ils n'ont pas de pitié pour les gens qu'ils doivent châtier. Ils ne désobéissent jamais à ce qu'Allah Ta'ala leur a ordonné et au contraire, ils mettent en pratique ce qu'Allah leur ordonne. Quand une personne délaisse un ordre, par exemple, une personne qui fait salat assise, elle le fait à cause de la faiblesse, n'est-ce pas? Donc il se peut que certains êtres humains délaissent des ordres d'Allah par faiblesse et non pas par volonté. On est d'accord? Donc Allah Ta'ala a voulu montrer que ces gens-là, ils sont pas faibles. C'est-à-dire ils ont la force de mettre en pratique les ordres d'Allah. C'est pas toi, comme toi l'être humain, que de temps à autre, tu peux avoir une faiblesse et certains ordres, tu peux les délaisser, non pas par volonté, mais par faiblesse. Mais les anges, non, ils n'ont pas cette faiblesse. Il n'y a aucun doute. Ils ont la force pour faire pratiquer cet ordre. Ils n'ont pas la faiblesse comme l'être humain. Une deuxième catégorie de gens, c'est ceux qui désobéissent à Allah par volonté. Mais ces anges-là, Allah Ta'ala, il a dit, ils ne désobéissent jamais à Allah, ils font ce qu'Allah leur a ordonné. Donc, ils ont les deux qualités pour faire en sorte que ce châtiment-là, tu vas le subir, tu le veux ou non. Ne crois pas qu'ils vont ni faiblir dans l'ordre d'Allah, ni désobéir, ni on va avoir une faiblesse dans leur constitution pour ne pas le faire. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a dit en parlant de ses anges, « Rila avon shidat »« Kalla laylam yantahi la nasfa'an bin nasiyah » Nasiyatin kadhibatin khati'a. Ici, Allah Ta'ala dit la nasfa'an bin nasiya. On va le prendre par le toupet. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Le deuxième nasiyatin, c'est un badal. Et il est permis dans la langue arabe que le badal soit nakira, même si le premier est ma'rifa. Surtout qu'ici, c'est pour préparer les deux caractéristiques qui sont après. Nasiyatin kadhibatin khati'a. Le toupet d'un menteur et d'un pécheur. Kadibah, naam, c'est un menteur qui mentait et qui a traité de mensonge les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et khati'ah, en arabe, il y a une différence entre le khati et le mukhti. Écoutez bien. Al khati et al mukhti. Al khati, c'est celui qui fait une erreur volontairement. Et le mukhti, c'est celui qui fait une erreur par inadvertance. Les deux cas, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant du premier sens, al-khati, en parlant de ceux qui vont manger les fruits amers de l'enfer, ne le mangeront que al-khati'un, ceux qui sont trompés de chemin, ceux que c'est-à-dire les pécheurs. Donc ici, il a utilisé le mot khata, erreur. Mais le mot khata, si tu dis khati, c'est celui qui le fait volontairement. Et mukhti, c'est celui qui le fait jahlan ou sahwan. Le deuxième sens, c'est Rabbana la tu'akhidhna in nasina ou akhta'na. Comme Allah Ta'ala dit dans Surat al-Baqarah à la fin, quand les Sahaba disent, et Allah il a dit donc dans le Coran, qu'ils ont dit, Ya Allah, notre Seigneur, ne nous reprends pas si nous avons oublié ou nous nous sommes trompés. Donc, ce n'est pas toute erreur. On entend souvent les gens dire, oui, mais c'est une erreur. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Oui. Mais il y a khata, il y a le khati et le mukhti. C'est pas la même chose. Il y a erreur et erreur. Il y a l'erreur faite volontairement, il y a l'erreur faite involontairement. Il y a une erreur qui est très grave, il y a une erreur qui est moins grave. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, il est fâché, il insulte Allah. C'est une erreur, n'est-ce pas? C'est un khata. Qui ne dit pas? Dans la langue et dans Shara, on dit que c'est un khata. Mais ce khata-là, il le rend mécréant. Il le rend mécréant. Une parole, une erreur. N'est-ce pas? Un autre, il fait des dizaines d'erreurs, mais c'est des erreurs légères. Même si elles sont nombreuses, elles ne sont pas aussi graves que cette seule erreur. Donc ce n'est pas le nombre d'erreurs qui fait qu'une personne, on peut dire d'elle qu'elle est égarée ou pas égarée. C'est pas, ah oui, mais il a fait qu'une ou deux erreurs, vous dites qu'il est égaré. Oui, mais il a fait une ou deux erreurs, mais quelle erreur? Une ou deux erreurs comme des montagnes. Une ou deux erreurs volontaires. Une ou deux erreurs sur lesquelles il ne veut pas revenir. Donc c'est pas comme l'erreur d'une personne qui a fait des petites erreurs involontairement. Quand on lui montre l'erreur, il est prêt à revenir. Est-ce que c'est la même chose ça et l'autre? Est-ce que c'est la même chose? Non. Donc ce n'est pas ni la quantité d'erreurs, ni les, c'est pas la quantité d'erreurs, mais
la caractéristique de l'erreur qui détermine est-ce que une personne elle est dans l'égarement ou non. Quelle est cette erreur? Comment elle a été faite? Est-ce que derrière il y a un regret, il y a un retour de l'erreur ou il n'y a pas un retour? Hein? Quand quelqu'un il ne veut pas même à demi mot accepter qu'il a fait une erreur. Est-ce que c'est pareil que quelqu'un fait des erreurs, tu lui dis, il te dit ah barakallahu fik, jazakallahu khairan, ah je me suis trompé. C'est pareil? C'est pas du tout pareil, quoi. Non. Donc là on le voit ici, la différence entre le khati et le mukhti. Il faut bien comprendre cela, barakallahu fik. فليدعو ناديا سندعو الزبانية فليدعو ناديا. Qu'il appelle donc Nadia, c'est son assemblée, son club, son groupe, son assemblée, sa jama'a, appelle-la comme tu veux. Tout ça, c'est dans le même sens. Et Abu Jahl, justement, il avait son assemblée, il s'asseyait avec eux, et il se sentait justement fort du fait qu'il était avec son assemblée. Écoutez bien ce hadith. C'est un hadith qui est authentique du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien ça. Et ce hadith-là, il nous montre, subhanallah, la gravité dans laquelle on peut tomber par des choses parfois futiles. Il n'y a pas un peuple qui aide une personne de son peuple sur une injustice sans que ce soit comme s'ils avaient poussé une vache dans un puits, puis ils veulent essayer de la ressortir par la queue. Je vais vous expliquer ce hadith. Est-ce que, quand tu as jeté une vache dans un puits, tu peux la ressortir en tirant par sa queue? C'est quasi impossible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous montrer que quand plusieurs personnes se réunissent sur une injustice, c'est quasi impossible qu'ils reviennent. Parce qu'ils se sont réunis. Je t'ai vu toi faire une injustice, on est venu tous ensemble se mettre ensemble sur l'injustice. À chaque fois que tu voudrais te demander des comptes, tu dis « Alors pourquoi? Il n'y a que moi qui suis dans les... » Mais non, ils sont tous d'accord avec moi. Donc c'est les autres qui ont tort, c'est pas nous. On est plein. Tu comprends? Donc la gravité d'aider une personne par esprit partisan ou parce que c'est ton ami, même quand elle a tort. Parce qu'en faisant cela, tu lui fermes les portes du retour et d'accepter ses erreurs. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut le méditer. Il n'y a pas un peuple qui s'entraide dans l'injustice sans que cela ne soit comme s'ils avaient jeté une vache dans un puits et qu'ils essayent de la ressortir par sa queue. Et c'est ce qui s'est passé avec Abu Jahl. Il s'est senti à l'abri avec son assemblée, avec son club. Et c'est pour ça, Allah Ta'ala, il l'a mis au défi. فَلْيَدْعُ نَادِيَ. Appelle-toi ton assemblée, ta jama'a. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ. Toi, tu vas appeler ton club, tu vas appeler ta jama'a. Nous, nous allons appeler les gardiens de l'enfer. On va voir qui va gagner. Et tout à l'heure, on a parlé de leurs caractéristiques des gardiens de l'enfer, comment ils sont. D'ailleurs, subhanallah, quand Allah Ta'ala a dit, en parlant de l'enfer, عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ, il y a 19 anges qui sont là pour, la garde, pour le garder. Alors un parmi Quraysh, il s'est levé, il s'est moqué. Hop, allez-y Quraysh, hein, combattez l'islam et les musulmans, les 19, je les prends à moi tout seul. Et c'est là, Allah Tabaraka Ta'ala, il a décrit comment ils étaient. Subhanallah, que un d'entre eux, si seulement l'humanité entière se mettait contre lui, il ne pourrait pas lui faire quoi que ce soit. Non. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ. Puis Allah tabaraka ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes non, لَا تُطِعْهُ, ne lui obéis pas quand il t'interdit de faire la prière, quand il t'interdit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'interdit d'approcher d'Allah, لَا تُطِعْهُ, ne lui obéis pas. Et ça, c'est une règle azima fil islam. On n'obéit pas à une créature dans la désobéissance d'Allah. Qui que ce soit, même ton ami le plus proche, ton père, ta mère, ton frère, ta femme, tes enfants, ton mari, qui que ce soit. Ton président, ton roi, pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance d'Allah. Naam. La ta'ata, innama ta'atu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance n'est que dans ce qui est acceptable dans ce qui est communément reconnu comme bien. C'est-à-dire ce que l'islam reconnaît comme bien. Kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Et prosterne-toi. C'est-à-dire ici, wasjud, quand Allah Ta'ala lui dit prosterne-toi, il parle de la salat. Et ça existe en langue arabe. Tu parles d'une partie d'une chose en voulant le tout.
quand Allah Ta'ala dit wasjud, prosterne-toi, car c'est la partie la plus importante de la salat, le sujoud. D'ailleurs, c'est le moment où l'être humain est le plus proche de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand une personne lui a demandé un conseil pour être proche de lui au paradis, il lui a dit, fais beaucoup de prosternation, beaucoup de salat. Il veut dire par là, beaucoup de prosternation. Et dans plusieurs hadiths, qu'une personne ne se prosterne pas sans qu'Allah il l'élève d'un degré et sans qu'il ne s'approche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que c'est à ce moment-là qu'il est le plus proche d'Allah Ta'ala, comme il dit ici, wasjud wa qatarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. C'est avec ces sujoud, avec cette salat, avec l'adoration et la prosternation que le serviteur s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alameen. Wa qur rabbi zidni ilmaa.